Salut à tous et à toutes, c'est Balzéphane, on se retrouve pour l'épisode numéro 44 sur Sims 3. Et donc, j'étais en train de faire une petite sieste avant d'aller au boulot. Et donc voilà. Donc, dès que je serai parti au boulot, j'organiserai la fête. Enfin, j'organiserai la maison pour la fête. Je regarde la télé encore. Bon, Maïko, elle va se préparer un peu. Et elle va s'entraîner à parler. Il te manque toujours de la compétence, Maïko. Non. Comme ça, hop, je vais au boulot et je vais travailler dur. Alors, voilà, maintenant que je suis parti, on va organiser la fête. Alors, première chose à faire pour la fête, supprimer cet ordinateur. Parce que sinon, les gens, ils vont venir et ils vont se caler devant l'ordinateur et ça va m'énerver. Il y a aussi autre chose que je vais faire. Je vais verrouiller les portes de l'étage. Aïe, mes oreilles. Parce que sinon, les gens, ils vont monter jouer à l'ordinateur dans la chambre, ce qui n'est pas le but. Je vais ranger la télé dans l'inventaire de la famille. Dépasser un peu les meubles pour faire de la place. Comment je vais organiser ça? Parce que hein, ça voulait plus réagir. Et mon jeu, il a du mal là. Ah voilà. Il a des ralentissements de malade. Je sais pas de quoi ça vient. Hein. Donc excusez-moi. Voilà, comme ça les gens pourront manger. Par contre, ça je vais ranger. Non, je vais pas le vendre. Je tiens pas trop, mais je vais ranger dans l'inventaire de la famille. Voilà, le canapé aussi. Le canapé, comment je parle. La chaise aussi, parce que là, ce sera là qu'il y aura le gâteau. Je vais vérifier que je peux poser quand même le gâteau là. Non, je peux pas. Je peux le poser là, par contre. Attendez. Je le mettrai là, le gâteau. Voilà. Je vais acheter une radio. Allô, je réagis, c'est bon. Une radio. Comme ceci. Parce que j'aime bien, c'est funky pour un anniversaire. Et j'achèterai des ballons. Même si je ne sais plus du tout où est-ce qu'on achète ça. Probablement dans décoration. Ah, je sais pas où est-ce qu'on achète les trucs de fête en fait, donc je sais pas trop. Bon, moi ça va rester comme ça, ça ferait déjà une bonne fête, je pense. Bonne fête d'anniversaire avec des gens. Par contre, faut pas que ce soit le bordel dans la maison, sinon ça va pas le faire. Alors elle va préparer la maison. Casse-toi, sale voiture qui pète les oreilles là. On va faire en sorte de bien se sentir. Bon, elle va pas manger parce qu'en fait... ouais, non, elle peut pas ranger ce qu'il y a dans ma chambre, c'est vrai. Elle va pas manger parce que sinon elle aura plus vin pour le gâteau. D'ailleurs, le gâteau, il faudrait peut-être le mettre dans ton inventaire en attendant. Elle en avait envie. Donc, en attendant... elle va s'entraîner à sa compétence écriture. Ah bah non, elle va continuer d'écrire son article. Parce que bon. Ouais, non, mais foutez-moi la paix. Moi, j'espère que je serai pas trop crevé en rentrant. Ouais, je peux déjà me la couler douce. Vous voyez, j'ai tellement toutes les compétences qu'il faut, l'humeur, etc. que ça va super. Hop, alors est-ce que ça t'a amélioré? Non, ça t'a pas amélioré ça. Bon, c'est pas grave. Non, non. Pas l'article. Elle va améliorer sa compétence d'écriture. En attendant mon retour. Et je rentre à 20h. Il serait temps de tout préparer, mais tout est déjà prêt en fait. Ce que je vais juste faire... Bon, les invités, je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Ils vont arriver avant que moi je rentre du boulot. Ah, pour vous récompenser d'avoir été promu chef 5 étoiles, vous avez été autorisé à garder cette acquisition réfrigérateur moins 1 degré Kelvin. Kelvin, cherchez dans l'inventaire de votre famille, rentrez-vous. Ok. Voilà, alors là, j'ai été promu chef 5 étoiles. Donc, le niveau 10, objectif pour mon Sims, fini. Ouais.
Et ça, c'est trop cool. C'est génial. C'est génialissime. Je gagne 388 simflous par heure. Franchement, c'est génial. Et j'ai gagné un frigo. Alors, je sais pas trop comment il est. Oh, c'est un frigo super méga spécial. Qui n'apparaît pas. Un frigo invisible. Bon, bah, c'est un frigo buggé. C'est dommage. Il avait l'air bien. Mais il est buggé. Bon, bah, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Et donc, je vais réactiver les musiques. Parce que c'est, il est temps de grandir. Ah voilà. Mais j'ai pas envie de me retrouver sans musique et tout pour mon anniversaire, donc il y aura tout de même de la musique. Je vais me mettre en quotidien. Et voilà les premiers invités. Et donc on va allumer. Ah mince, on peut pas choisir avec celui-là. Ah, c'est chiant. Je pensais. Quelle arnaque. Non, je veux pas prendre un jukebox. Je veux prendre juste une radio, s'il vous plaît. Une radio simple. Voilà. Ce sera mieux. Excusez-moi, mais mes cheveux rentrent dans mon oreille. C'est relativement désagréable. Alors. Je vais aimer et mettre mon truc préféré, c'est-à-dire... l'électronique. Ouais, non, mais pas celle-là, par contre. Pas celle-là non plus. Ouais, ça allait bien. Discuter. Je vais juste mettre un peu plus de son. Salut. Il y a plein de gens qui sont là pour moi. C'est trop cool. Par contre, je vais juste réorganiser l'endroit où je vais souffler mon gâteau. Parce que là, les gens, voyez-vous, ils vont galérer. Je vais juste mettre une petite table pour le gâteau. Je vais la mettre ici, comme ça les gens ils pourront regarder l'anniversaire. Hop. Non, c'est pas toi qui vas souffler les bougies, c'est moi. Et s'il vous plaît, j'aimerais souffler mes bougies. Il y a une vampire. Donc voilà, donc on arrive à, là avec la musique et tout, ça fait vraiment genre ambiance. On arrive vraiment à une étape importante de la vie de mon Sims. Donc il grandit en adulte, il est arrivé, il a fini son objectif et donc ça signe bientôt la fin de la saison. Bientôt. Ça y est, je grandis. Je trouve ça cool comme moment parce que si vous voulez, j'ai tellement lutté pour dans mon boulot, etc. pour en arriver jusque là que ça fait quelque chose. Ça a beau être juste un Sims, ça fait quelque chose vraiment. Stéphane est désormais un adulte totalement mature, du moins la plupart du temps. Il va devoir penser à trouver une carrière et une vie de famille pendant qu'il en est encore temps. Une carrière c'est déjà fait, une vie de famille il va falloir que je trouve. Donc voilà, mon Sims a vieilli. Mais ça se voit pas beaucoup, mais enfin, si quand même à la forme du visage, etc. Vite Maïko prend du gâteau avant qu'il n'y en ait plus. Mon Sims est en galère pour manger sa part de gâteau. Non mais je suis très logique moi. S'il vous plaît, laissez-moi manger ma part de gâteau. Laissez Maïko prendre du gâteau s'il vous plaît. Elle en a pas encore eu. Il y a des gens qui restent debout. Il y a quelqu'un qui manque de stoler. Mince, il y a des affaires là parce qu'en fait... Parce qu'en fait, je me suis changé en rentrant. Et bah franchement, elle est cool ma fête d'anniversaire, je trouve.
Ça me fait tout bizarre, je vous assure que ça fait tout bizarre. Avec la musique et tout. Allez, on va danser. Ça va, elle va ranger les plats, c'est sympa. Il y a un chien qui rentre. Tout à fait normal. Non mais il fait chier ce chien. Saphir chien, mais dégage. Attendez. Ok, bon, je lance avec une parfaite inconnue. Casse-toi, petit chien. Je vais danser avec Maliko, moi, pas avec quelqu'un d'autre, merci. Y'a tout le monde qui veut danser avec moi. Par contre, ça serait bien qu'elle arrête de lire, elle. Non mais arrêtez de lire à ma fête d'anniversaire, quoi. Parce que j'avais supprimé les chaises pour qu'on ait de la place pour danser, voyez-vous. Attendez, faut que je fasse genre que je vais lui parler. Comme ça, elle va arrêter, elle va se lever. Voilà. Et elle, pareil. Comme ça, elle va faire son livre et se lever. Voilà, et ça va me permettre... Hop. Non, pas la seconde, en fait. Et vous, c'est ma table de tous les jours. Ça me prend les chaises avec? Non, non, ça m'a pas pris les chaises avec. Ah si, si, ça me les a pris. Je vais acheter une piste de danse. Je sais plus où est-ce que c'est du tout. Peut-être là-dedans. Ouais, c'est là. Pas toucher d'autres objets? Attendez. Bon, là, je triche un peu, mais c'est pour poser la piste de danse, en fait. C'est comme ça, les gens, ils vont venir et puis ils vont pouvoir danser. Cet épisode il sera un peu plus long parce que j'aimerais bien faire l'entière fête d'anniversaire si vous voulez. Cette musique là elle est nulle. Ah ouais. Elle est cool ma fête d'anniversaire je trouve. Bon allez je pense que ça ira pour la fête. Arrêtez de tous danser avec moi en fait, il commence à se faire tard. Oh je vais me doucher hein, tant pis vous pouvez rester là. Et cette fête est sympa mais je dois y aller. C'est temps pour moi de partir, mais je me suis amusé, merci. Et c'était sympa, mais je dois y aller. De toute façon, il est temps. Quelle fête, mais je crois que j'ai un peu fait trop d'excès. Au revoir. Je lis en fait de ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Ouais, quelle fête, mais je crois que j'ai fait un peu trop d'excès. Au revoir. Et je dois partir, merci de m'avoir invité, j'ai passé un bon moment. Bon, bah, ils ont tous passé un bon moment. C'était la fête d'anniversaire. Maintenant, il faut que je désactive les musiques. Voilà. Et donc, objectif pour moi, personnel, fini. Donc il n'y a plus que l'objectif à Maliko à remplir. Qui va être un peu plus dur parce qu'il manque des compétences, mais ça devrait aller. Et donc. Je vous retrouve dans l'épisode prochain, qui sera aussi aujourd'hui. Je vais en faire encore deux, donc vous aurez 8 épisodes de Life Life et 2 des Sims. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que ça a marqué un peu la transition de l'âge jeune adulte à l'âge adulte pour moi, donc mon Sims. Donc on se retrouve dans l'épisode prochain, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire si vous avez quelque chose à dire, à vous abonner si vous aimez aussi les autres vidéos, et si vous êtes sur Gear Network, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu sur YouTube que sur ma page Gear Network. Bye bye!